sur la 89 en Arizona, puis là on a quitté un petit peu les canyons, pas un petit peu complètement. Là on est un petit. On attaque davantage les reliefs. Même si les canyons c'est aussi du relief, mais voilà. Un peu plus les montagnes, un peu plus de neige. On arrive en fait sur Flagstaff. Flagstaff est réputé pour être un endroit de merde. C'est sur la 40 en fait. C'est entre. Allez, dans les grandes lignes, hein, Dallas et Los Angeles. Voilà, par la route du sud, là. Bah, vous voyez pas ça contre route. C'est toujours un coin où il neige, où il fait froid, etc. C'est là, on avait poigné de la neige avec Seb il n'y a pas longtemps. Je réponds à Seb, je vous laisse admirer un petit peu. Allô? Oui? Comment ça se passe? Vachement plus tes 4 tours, même pour passer quoi. C'est là que tu t'aperçois de l'importance du pouce. Sans la pince. T'es dans la merde. Moi je me rappelle, j'avais un. C'était pas un copain, mais un gars qui était dans mon lycée à Château-Renaud là. Il faisait partie des vieux comme moi, je suis arrivé. Et lui, à la place de son pouce main droite, je crois, ils avaient récupéré le pouce, le gros doigt de pied. Ouais, pour qu'il puisse garder sa pince. Alors un jour, je sais plus, on discutait, puis je regarde son pouce, il dit ça t'intrigue. Je dis quoi, il me fait mon doigt. Ben, je dis ouais, c'est un peu bizarre. Je dis qu'est-ce qui t'est arrivé, c'est pas indiscret. Ben, il dit je me suis fait arracher le pouce, je sais plus comment, dans une machine ou je sais pas quoi. Il dit je me suis fait arracher le pouce. Ah, puis j'ai été hormis. Bien, il me dit là quelque chose de particulier, puis je regarde, je dis c'est vrai qu'on dirait pas un doigt de pouce normal, dis donc. Je dis non, sérieux, il me dit ouais, mais j'ai cette tiens, il me dit ouais, il me dit ils me l'ont pris mon pied. Il me dit au départ, je perdais de l'équilibre au niveau des pieds, puis on m'a dit que je m'en remettrais, finalement je me suis très bien remis, mais ouais, il dit c'est le pouce de mon doigt de pied. Ok, ouais. Ah oui, quand tu regardais bien, ça se voyait un peu, mais il fallait pas faire attention. Donc voilà. Ok. T'as bien pris ton IRP, hein? Clairement, t'es dans la merde.
pas 339 non plus. Ah non, puis si c'est la main gauche, de toute façon, ça va être la main droite que tu shiftes. Ah oui, j'imagine. Ah ouais, j'imagine.
est dans un mec. Bon, bah, nous l'avons rendu à Flagstaff. On a récupéré la 40 sur quelques kilomètres. Donc là, on va prendre direction Phoenix, Los Angeles. Mais on sort vraiment pas loin là. On reste pas longtemps sur la 40. C'est une quinzaine, une vingtaine de kilomètres, je pense. Il neige, enfin il neige. C'est un grand mot. Disons qu'il y a 3-4 flocons de neige qui voltigent. Vous voyez, il y en a un là qui me demandait si on peut facilement passer les vitesses, sauter les vitesses avec les boîtes américaines ici. Alors sur le pit c'était vraiment compliqué, mais sur celui-ci, j'ai sauté, pas parce que ça descendait puis que je suis vraiment pas lourd, j'ai sauté toutes les demi jusqu'à la 8e petite. Mais ça le fait très bien. Ouais, bah sur ce, à plus tard. Bon, bah nous voilà rendus à Phoenix. Je vais m'arrêter dans un truck stop pour une douche, parce que j'ai voulu m'arrêter avant, mais les douches étaient indisponibles. Donc, je reprends une à Phoenix, et puis après, il va me rester à peu près une heure pour aller jusque chez mon client. Donc on va aller y voir, une fois que ça viderait aujourd'hui. Ça a l'air de beaucoup bosser quand même, donc... On va essayer, toujours bien, on verra bien. Phoenix... C'est pas une ville très accueillante, on va dire. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est dangereux, hein, mais il y a des endroits où il faut quand même faire un petit peu attention. Phoenix, il y a particulièrement. C'est pas eux hein, qui font que c'est une ville un petit peu insécuritaire. Je dis bien un tout petit peu. Hein. C'est pas eux. Il y a beaucoup de clochards, de SDF. C'est pas eux, hein. Plutôt un petit peu les gangs de rue, les choses comme ça. Donc voilà. Bon, ça roule un peu, je vais me dépêcher de prendre ma douche parce que ici il est 1h10 et plus je vais mettre du temps, plus ça va être la merde pour ressortir de là-dedans. Que Phoenix c'est la zone. Phoenix c'est la zone. Attention. Quand ça se met à merder, ça merde bien. Mais bon, une fois que je l'évite, il y a des choses que je suis obligé d'y repenser. Ça va être un peu chargé. Quelle sortie qu'on prend? Ben, j'en sais rien. C'est bien tout en tout cas. Je pense qu'il faut que je me mette là.
sortie. Je reste là, voilà. C'est good. Après, je pense que je vais être obligé de revenir ici, là, sur la 200 loop, pour récupérer la route de Tucson. À moins qu'il y ait, je peux peut-être faire aussi le tour plus loin. On va voir ça. Là, c'est une grosse flying G, il y a 15 douches, donc ça devrait être good. Là, au moment où je vous parle, là, sur 233 km, je suis à 17,5. Ça me fascine. Bon, je vous emmène jusqu'au truck stop. La Camaro là à droite. Vous êtes quoi? Vous êtes véritablement ce que vous créez apparemment. Ouais, ce qu'il y a écrit derrière. C'est spécial, mais c'est pas moche. Mais c'est spécial. Mais c'est pas trop moche. Mais c'est spécial. Quand même. Allez, madaba, le fava pour aller prendre ma douche. Merci, monsieur. Merci, monsieur. C'est vraiment sympa, gentil. C'est gentil. C'est une grosse Flying G, donc je devrais avoir de la place. Ben, de la place, oui, à ce temps-là, je vais en avoir, mais je devrais avoir des douches.
Ah, pareil, ici c'est la zone, les truck stop, c'est toujours le bordel et tout. Vous voyez, voilà, on est à Phoenix, c'est une grande ville, toutes les places sont réservées. Ah, pas toutes, mais une grosse partie. Moi, c'est juste pour prendre une douche, je vais aller prendre une place réservée. Bon bah je vais couper et puis c'était tout. Bon bah ça y est, fait du bien. Il n'y avait plus que des places réservées en fait. Toutes les places non payantes, il n'y en avait plus. Et plus ça va, plus les truck stops, c'est comme ça ici. Je trouve ça dégueulasse. Hein. Mais bon. Donc là, on ressort pour prendre la loupe, mais en fait, on coupe pas trop. Ah, je retourne pas sur l'axe principal, ça va nous éviter de la circulation dense de tout à l'heure. On va tourner sur Van Buren une fois. West Van Buren Street. Bah oui, vas-y, fais ça si tu veux, toi. Sinon, ça va ou bien? Ben, je suis content parce que ce matin il y a un certain merde, comment vous dire ça, tabarnak. Excusez-moi, hein. Un certain Jérémy, c'est bien ce qu'il me semblait. Un certain Jérémy qui m'avait envoyé son CV, qu'il avait déjà fait plus ou moins comme la vidéo. J'ai dit de modifier un ou deux trucs, chose qu'il a fait, et boum, bingo! Ça a payé. Petite compagnie, trois camions, boum. Et, et voilà. Le gars, il a fait ce que je dis. C'est-à-dire qu'il a envoyé des CV partout. Voilà. Et il s'est vendu auprès d'une petite compagnie qui a trois camions, qui n'a jamais fait venir personne. OK? Et là, ils lui ont dit, eh ben, on fait. Voilà. Formidable. Voilà. Donc félicitations à toi, monsieur Jérémy. Je suis ben content.
qui prouve que quand on se donne les moyens, il y a 9 chances sur 10 pour que ça paye. Et je vous le dis encore une fois, c'est sans prétention aucune, mais dans 95%, voire même 99% des cas, quand le gars fait le CV, comme je le dis, il est payant. Voilà. C'est juste que moi, les Québécois, ça fait 8 ans, je les fréquente là. Les employeurs qui posaient un peu plus, donc je sais comment ils réagissent, je sais comment ils sont dans leur tête, comment ils font, comment... Voilà, du coup, je sais qu'il y a des choses à dire ou à ne pas dire, ou à faire ou à ne pas faire. Pourquoi il klaxonne comme ça? C'est parce qu'il a vu le feu rouge. Et du coup, ben voilà. Donc ça paye pour lui. Alors lui, je me fais pas de soucis parce que après, pour la résidence permanente, sa femme, elle est bardée de diplôme pire qu'un porte-avions. Donc, la résidence permanente, il devrait l'avoir assez facilement, assez rapidement, on va dire. Donc voilà. Bon, ben, je vais remettre en route Tato. Vous voyez les montagnes devant, là? Ouais, super, bah vous avez pu les voir. Ils courent en plus. Bon. Dans une heure, je suis chez Clio. Il va être 15h. À peu près, à peine, ça va être beau. Bon, allez, Toto! Bon, alors je vais vous faire écouter quelque chose, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un abonné. Hein. Et oui, et merci aussi, merci. Parce que c'est sûr que quand tu changes ton CV, c'est payant. Enfin, je me mets à leur place quand tu reçois un CV que t'as pas l'habitude de lire et qu'il faut lire entre les lignes, tout ça, tu passes au suivant. Tu prends un CV qui est bien fait, qui, à leur façon, que tout est expliqué directement, c'est beaucoup plus simple. Je te remercie pour ça. Donc voilà, c'est pas pour les remerciements, hein, voilà, c'est ça, c'est le gars que je vous ai dit tout à l'heure. Putain, oui, il a pas choisi son nom pour le pauvre. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, il a refait son CV, et bigo, c'est payant. Et là, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est l'abonné. Là. Voilà. C'est tout, c'était juste. Comme ça. Bon, ben, on arrive à Casa Grande. Il y en a du cactus ici, la vache. Même dans les champs et tout ça, il y en a en masse. T'as un nouveau détour. Ah bon? Pourquoi elle est barrée la route? C'est pas grave, si elle est barrée, on ira tout droit. Alors, elle est pas barrée, il y a du monde. Il y a du monde qui en vient, donc elle a pas de barrée. La route que vous voyez là-bas à gauche. Regardez les chars à droite, là où il y a les gros cactus là. Oh la vache. Un jour, là je débute trop tard, il n'y a pas forcément de place pour se garer, mais j'irai visiter une casse, un truc comme ça, là, avec plein de vieilles voitures américaines. Comme je sais que parmi les abonnés, il y en a qui aiment beaucoup ça. J'en connais deux, trois qui ont des voitures américaines. Et ouais. Je prendrai le temps de regarder encore les gros cactus à droite. Il y a partout des cactus ici. Hein. On est à 3 km du client. Je vous emmène avec moi jusqu'au bout si la batterie suit. Ouais, d'accord. T600 devant. T680 même.
Avec les deux cheminées derrière, ça j'aime bien. Je trouve que ça leur donne une gueule particulière. Bon, bah, je me demandais si j'allais trouver de la place pour me garer, mais en fait, il y a plein d'endroits où je peux me garer. Un peu. Putain, une vieille Mercedes. Elle est plus fraîche, hein. Ouais, en fait, la place. Là, tout le long de la ligne de chemin de fer, je peux me garer. Ouais. Bon, certains diront que proche de Phoenix et de Tucson, faut pas s'arrêter n'importe où. Moi, je m'en calisse comme de ma première chemise. Bon, ça va être ouvert ou ça va pas être ouvert? Bon, là, il y a eu un petit peu d'eau. On va passer dedans pour dessaler. Voilà. Ça enlève un petit peu le salé de calcium. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mon chat. Client à Chun, je sais pas quoi là. Ouais, il a dû tomber des cordes dans le coin. C'est ici? Non, c'est pas ici, c'est là-bas. Chose. Je peux tourner à droite au moins là-bas. À droite et faire à gauche plus loin, je pense. Deux secondes, papa. Rappelle-moi tout à l'heure. Elle est bonne celle-là. Bon, faut que j'aille enlever le truc. Elle est bonne celle-là, putain. Google Maps de merde, bon je reviens. Ouais, faut que j'aille enlever le panneau. Bon, je coupe. Ah, ça y est, je suis passé. Bah, du coup... j'aille jusqu'à carrément, ok. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est dans les travaux mon truc. Oh, je la sens mal l'histoire. Je me demande si c'est pas le chantier qui est à gauche là. Et là, c'est comment? Il ne faut pas non plus que je prenne les chemins de thé.
Là, c'est meilleur. Hein. On va aller voir ça. Moi, vous êtes tombé là. J'ai vraiment l'impression que c'est un chantier. Moi, je vais couper, je vais la mettre en haut quand je vais arriver. Puis j'ai des pierres de la cette batterie. Voilà. Regardez à gauche là. Les vieilles voitures, bon c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Je vais jusqu'au truck stop parce que la rue est barrée, complètement barrée, il n'y a pas d'accès, je pense que l'adresse est pas bonne. De l'autre côté, je pourrais éventuellement y aller, mais comme elle est en chantier, il y a 20 cm de boue. Et j'ai pas envie de m'aventurer là-dedans. J'ai appelé le dispatch qui normalement travaille pour aujourd'hui et il m'a dit qu'il allait checker ça quand même. Donc je vais aller jusqu'au truck stop et puis voilà. J'ai pas envie de rester là comme une grosse merde. Au milieu de nulle part. Tant pis, ça me fait faire un petit 15 km, mais tant pis. Je la sens mal. En plus, il n'y a personne à contacter, il n'y a rien. Mais sur Google Maps, c'est marqué que c'est un champ. Seulement, je ne peux même pas aller voir parce que c'est pas accessible. C'est ça le mystère. Si vous allez pouvoir venir avec moi jusqu'au bout, mais bon, je laisse la vidéo parce que il y a des fois il y a des vieilles voitures américaines, bah comme là par exemple à gauche, vous voyez. Donc je voulais vous montrer ça. Puis si ça cupe, et ben ça cupe. Ouais, mais je la sens pas bien, mais bon, on verra ça le matin. Ici, il est que 2 heures. Mais je pourrais m'arrêter là, là. Mais on va faire chier. Ok. Ouais, c'est pas mal en travaux à Casa Grande. C'est un peu la casa de la merda. Pour être franc. Ouais, je coupe. Good vibrations.